Ah oui, mais merde, j'ai pas la duplication. J'ai pas la duplication. Donc ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Fallait bien que ça arrive, ça. Personnel ici. Bon, ça fait rien, on va devoir les construire un petit peu à la main. Mais au moins j'ai ma cellule type et je vais pouvoir la dupliquer une fois que j'aurai ce qui a été construit. Bah, en fait j'ai même pas besoin de ça. Hop. Ah, démolir mur. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 12 cellules. Je suis qu'à la moitié. Ok. Chaud, 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 hein. Putain! Non, c'est bon. 4x4, c'est suffisant. Oh la vache. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. J'ai cru que c'était du 5x5 et que je m'étais planté. Mais ça va. Tout va bien, tout va bien. Ouh. Bon, alors. Il me faut un bureau. Insuffisant. Bon, dans 2 heures j'ai des prisonniers qui arrivent, je vais pouvoir construire les bureaux, je vais pouvoir continuer. J'ai toujours pas fait la douche non plus. J'ai rien qui marche.
On va commencer par une émeute dès le départ. J'ai même pas la cantine, j'ai rien. Purée. Bon, faut que j'engage des mecs. Déjà, faut que je commence par ça. Commencer par embaucher une dizaine de cuisiniers. Mettre des condos. Et je vais continuer. Donc là, il me faut absolument, c'est un bureau. Moi je suis dans la merde. Bon, ça normalement ça tient, ça tient, ça tient. Wouh. C'est déjà ça. Bon, ça, et il me faut les la tuyauterie. Je pars de là, hein, il me semble. Ouais, suffisant, putain. Bon. Ok, bon, il me manque les toilettes. Alors même si les toilettes sont pas alimentées en eau actuellement, elles sont valides. J'ai pu m'acheter qu'une seule toilette. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai déjà deux cellules. Ah oui, merde, la cantine, c'est vrai, putain, la cantine, elle est même pas faite, putain, c'est vrai, oh, mais quel con. Bon. Ça va être le bordel dès le départ, je vais déjà avoir des morts dès le départ, vous allez voir. Bon. Table. J'ai de quoi mettre un banc, une table. C'est bon, ça le fait. La vache, c'est vraiment violent par contre là. On est parti vraiment avec très peu de fond, j'ai l'impression. Ah ouais, puis j'ai pas de brouillard de guerre en plus. Enfin, j'ai...
Alors, juste le directeur, il me faut 1000. Bon, qu'est-ce qu'il me fallait? Une cour, hein, c'est ça? Ouais, bon, allez, hop, on va faire la cour. On va faire la cour. Donc, une douche. Et donc là, il me faut... Non, c'est mur en briques. Cette trésorerie. Oh, tant pis si j'en ai qui se barrent et tout, hein, mais... T'as le pire, c'est que j'ai 9 prisonniers qui arrivent l'année prochaine, là. Voilà, ça, on va dire... De toute façon, je vous dis, on va pas jouer du tout RP, hein. Oh, tant pis s'il y a des révoltes, tant pis s'il y a ce genre de choses, de toute façon, on... Même si les mecs se barrent, en fait, on a reçu de l'argent et pour le moment, tant qu'ils sont dans la prison, ils nous rapportent de l'argent à chaque heure. Donc on va se la jouer comme ça. Donc tant pis si on a des morts et tout, le truc c'est qu'il faut pas qu'on ait des morts parmi les... Parmi les gardiens. Il y a eu baston là, non? Ah, non, non. Impossible d'accéder à une cantine. Bah, si, ils peuvent les mecs. Mais bon. Enfin, insuffisant. Déjà, la porte de prison, je vais la mettre là. Dès que j'aurai 200. C'est la galère. C'est la misère actuellement là. Je galère à avoir des sous là. Vivement qu'on ait 30 prisonniers de plus. En plus on a 12 hauts de sécurité, ils vont nous faire un massacre. Ok. Bon. On va commencer par ça. Ça, ce sera accordé. Ensuite, on va voir pour les petits bureaux. Voilà. Et on va reprendre quelques condos en plus. Alors voilà. Alors là, par contre, on a des sous. Et je vous dis, c'est pas grave si on a des morts. Clairement, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en contrefout. Ok, et on va tout de suite se faire... Alors, on va clôturer ça. Ça. Mais on va faire ça comme ça. Voilà.
Au moins là, notre prison, c'est protégé. Donc là, au moins nos prisonniers, voilà, nos prisonniers peuvent bouger. Ok, bon. Ça va être la baston générale, mais on devrait pouvoir s'en tirer. Ouais, on va faire ça comme ça. On devrait pouvoir s'en tirer quand même. Allez, c'est aujourd'hui. Bon bah, c'est pas un gardien, donc je m'en fiche. Alors. Bon. Alors. Les objets. Alors, priorité, la douche. Désolé, la douche va être la priorité parce que. Tout ce qui nous manque, c'est ça, hein. Voilà, c'est des pommes de douche. À la limite, j'en mets même qu'une, c'est suffisant, mais bon. Voilà, faut que ce soit quand même un peu réaliste, quoi. À terme, on pourra mettre des douches individuelles, éventuellement. S'ils sont très très sages, mais ils le seront pas. Voilà. Alors, contrairement à l'électricité, l'eau n'a aucune limite. Enfin, aucune limite. N'a presque aucune limite, on va dire. Ouais, et puis maintenant. Oula. Maintenant qu'on a. Donc on sait un petit peu où on en est au niveau liquidité, on va rajouter des bancs. Et les tables. Si on voulait pousser le vis, il y aurait même moyen de faire ça. Voilà. Ah oui. C'est vrai qu'il faut ça également. Ben on va. On va virer l'étape du fond. On va y mettre quelques poubelles.
Bon. On a de quoi acheter quand même notre... Notre directeur. Ok, comme ça, on va pouvoir débloquer donc les finances, on va pouvoir débloquer la micro-gestion, la santé. Intérieur. Le déploiement. Le déploiement. Annule ça. La santé, c'est bon. La psychologie plus tard. Les patrouilles, ouais. Emprunt bancaire. Après j'ai plus de fonds. Ok. C'est bon. Ensuite il me faut une comptable, mais la comptable il faut son bureau. Donc on va la mettre là, mais on va lui faire son bureau là tout de suite. On va faire les deux bureaux en même temps, comme ça ce sera fait. Voilà. Et il faut encore qu'on tire de l'électricité. Ça devrait aller. Et là-bas, ils l'ont pas démoli? Ah ouais, non, c'est parce que le service, ils l'ont pas démoli par contre. Ok. Et c'est bizarre que ça, c'est resté en mémoire par contre. Mais bon. Ok. On va faire maintenant, c'est que maintenant qu'on a des sous, peut-être pouvoir faire ça. Là, je crois qu'en fait, ils l'ont pas pris du tout en compte le mur. Hop. Ouais. Là, ils l'ont pas créé du tout en fait. Ok. Et on va pouvoir. Alors, il manque encore des lits, c'est ça? Ouais, il manque encore des lits. Voilà. Donc il y a ça et il nous manquera les portes de cellules après. Je vais mettre en accéléré, ils vont pouvoir déjà commencer à construire ça. Et on va continuer nous à construire les cellules. De toute façon, il nous reste 5000 encore à caser. On verra ce qu'on fait au bout là, le dernier truc qui traîne là, mais
Alors, je lis. On va peut-être rapidement faire des cellules d'isolement. De toute façon, ça, il va falloir que je les fasse, de toute façon. Merde. Bon, pas grave. Allez. Pas grave. C'est pas grave. Les lits sont un peu mis n'importe comment, mais ça fait rien, c'est pas parfait. Et on s'en fiche. Restez calme et ne ragez pas. Voilà. C'est la porte ouverte, ça va. Bon, c'est pas... Bon. 75 prisonniers. Et une fois qu'on a tout fait, là, on va pouvoir avoir débloqué la première cellule. Alors, tout de suite, ce que je vais faire... Alors ça va être les plans de ce truc là. Hop. Alors. Ça va faire très petit. Ça doit faire cette taille. Même pas. Ouais, non, même pas en fait. Ouais. Et donc là, ça va être comme ça. Et comme ça. Voilà, ok. Donc là, vous avez deviné certainement ce que je vais faire. C'est ça, je vérifie. C'est des cellules d'isolement hein, que je vais faire. Isolement. Ouais, donc c'est ça. Allez, hop. Donc je vais construire en béton. Ceci. Avec une porte de cellules. Pour le moment, une porte ici. Et un matériau. Voilà. Et il va vraiment falloir qu'on pense à l'infirmerie arriver à un moment, quand même. Parce que là, ça devient craignos. Donc, l'infirmerie, bon, on va la faire là. On va la faire en briques. Et on va faire du 15 par 15. Ça me paraît correct. On va mettre par dessus ici. Pareil la cour là, j'aurais dû mettre un sas de sécurité, mais bon.
On va le mettre après, pas de lézard. Qu'est-ce qui manque? Ah, c'est bon. Ok, donc ça, pas de souci. Électricité, hop. On va la tirer jusque là-bas. Et on va juste leur demander de virer ce mur. Voilà, pour remplacer un là, un là. Et j'ai plus assez de fond. Ok, très bien. Ce n'est pas grave. Eh bien, bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, hein, désolé pour cette petite coupure. Encore une fois, disque dur saturé, hein, comme tous les deux épisodes. Donc, j'ai avancé un petit peu sans vous. J'ai fait pas mal de choses, notamment l'infirmerie. Alors, j'ai rempli en fait la mission... Ah, oh, c'est pas vrai. Fermez Firefox, excusez-moi. Alors, il est possible qu'il y ait des lags pendant le jeu ainsi que des petits sauts. C'est normal, j'ai des trucs qui tournent derrière pour le travail. Donc voilà, donc je vous le dis, c'est tout à fait normal. Ensuite, alors, on en était où? Enfin, j'en étais où moi? Parce que je vous dis, j'ai un petit peu évolué sans vous. Oh, c'est pas vrai. Bon, ça fait rien. Alors, attendez que je réfléchisse. C'est ça. Alors, on devait disposer d'un solde de 100 000. Je pense qu'on peut les avoir assez rapidement. Mais ce qu'il me faut, c'est acheter une extension pour pouvoir continuer à faire grossir ma prison. Cette extension coûte... Oula. Coûte 22 000. Donc il faut qu'on ait 22 000. On va accélérer un petit peu. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, il me semble qu'on s'était arrêté. J'étais en train de faire ces cellules d'isolement, si je dis pas de bêtises. J'ai construit un deuxième bloc d'isolement ici et deux zones de cellules ici. Au niveau de la logistique... Oula, ça ralentit vraiment. Non, au niveau du déploiement, pardon. Voilà, ici c'est pour les sécurités minimum, ici les sécurités moyennes et ici les hautes sécurités. Comme ça, tout est séparé. Ce que j'ai fait également, c'est énormément dans l'administration. Ah oui, ce qui me manque également, c'est une morgue. C'est ça qui me manque. Quand je regarde, normalement, il n'y a pas de... Si, il y a 50 cadavres apparemment dans la prison. Bon. Donc, il faut les évacuer. Alors, j'ai organisé le temps de travail, le temps des ouvriers. Donc, les basses sécurité ont 2 heures de plus que les high-sec à dormir. Ils ont 3 heures de travail, 2 heures pour manger. Ils ont au total 4 heures de temps libre, 2 séances de douche. En gros, c'est la même chose pour les medsecs, mais ils ont un petit peu moins de temps. D'ailleurs, ouais, les medsecs ont 1 heure de plus de temps libre, hein, ce qui est pas trop logique. On va rectifier ça. On va mettre une... Oh, c'est pas vrai. Hop, à mettre 1 heure de temps de travail en plus pour les medsec. Comme ça fait 4 heures de travail. Ouais, c'est pas voilà. Au niveau des programmes, alors, ah non oh, c'est pas vrai, j'ai réussi à tourner. Oui, j'ai un chat qui vient de foutre le bordel encore dans ma chambre. Au niveau, excusez-moi. Bon, voilà. Alors,
Au niveau des finances, bon, donc ça c'est les finances par jour. Donc je gagne 7000 par jour actuellement. Excusez-moi. Alors, au niveau de ce que j'ai débloqué, j'ai quasiment tout débloqué. J'ai quasiment tout débloqué. Il manque le paradis fiscal. Mais sinon, et tout ce qui est, ouais, tout ce qui est juridique. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai pratiquement tout développé. Pour le moment, les prisonniers ne se plaignent pas trop. Donc ça va. En même temps, là, c'est la nuit, donc ils se reposent. Si je regarde au niveau des besoins, bon, le sommeil, ça se résout. Ouais. Après, j'ai les problèmes de nourriture. Et les problèmes de nourriture, peut-être qu'il va falloir que quand même la taille des repas, je l'améliore un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Ce que j'ai fait également, alors ici, c'est tout ce qui est social. Donc tout ce qui est social, ici on a des salles de classe. Pour le moment, ce sont les gardiens qui sont en train d'être formés au taser. Donc voilà, ici on a le parloir. On a le psychologue ici et on a l'infirmerie ici. On a également la salle commune ici où on organise les réunions anti-alcooliques, tout ça. Donc évidemment dans les programmes, j'ai tout mis en place, hein, j'ai mis la pharmacie contre, enfin voilà quoi, tout ce qui est contre la toxicomanie, tous ces trucs-là. L'entraînement des gardiens au taser, c'est en cours. Voilà. Groupe de thérapie anti-alcoolique, enfin voilà, tout ça c'est en cours. La thérapie comportementale, donc ça c'est le psy. Je vais y arriver. Bon après l'atelier j'ai pas. Les formations scolaires pour débutants, faudra les mettre en place une fois que tous les gardiens seront équipés, ce qui va pas tarder. Donc voilà. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Et il y a la guidance spirituelle, faudrait que je fasse une chapelle. Voilà. Donc tout ça, voilà un petit peu où on en est. Et je vous dis, il me faut 22 000, on va y arriver assez rapidement. Il me faut 22 000 pour pouvoir avancer, pour avoir ce qu'il faut, quoi. Alors à terme, le bureau du psy, je pense qu'on va le dégager. Pour qu'on puisse continuer en fait notre route principale. Et on se mettra là. Donc, je suis en train de voir. Là, il y a des... J'ai le brouillard de guerre ici. Et mon chef de sécurité n'est pas où il faut. Ah oui, c'est normal. Il est à la formation Taser. C'est ça. C'est ça. Mon chef est là à la formation Taser. Bon. Ben voilà. Donc ça tourne, hein, ça tourne. Ça se comporte relativement bien. Je vous dis, ce qu'il me manque, ce serait une morgue. Mais il faut que j'arrive à m'étendre. Est-ce que je peux... Alors, je peux également faire autre chose. Enfin, je peux faire quelque chose pour aller un peu plus vite. On pourrait le faire, c'est un emprunt bancaire. Mais je suis sûr que je peux... Eh, bah je peux gagner 10 000 là. Hop. Direct, parce que en fait j'ai des missions qui ont été effectuées. Entretien de la prison. Déverrouiller l'entretien intérieur extérieur, engager un contremaître c'est fait, au moins deux concierges et un jardinier.
jardiniers. Et une dizaine de concierges. C'est vrai que notre prison est dégueulasse. Voilà. Et donc là, bah, l'entretien de la prison, c'est fait. Et là, je peux m'acheter mon extension. Et ben voilà. Quand il veut. Donc, on va pouvoir continuer. Alors, on va pouvoir continuer. Déjà, je vais virer le bureau du psy. Je vais bouger ailleurs. On va faire les plans. On va modifier tout ça. Je regarde juste les autres missions. Attestation sécurité de base. Engager un chef de sécurité, c'est fait. 10 gardiens, c'est fait. Les patrouilles de l'administration, c'est fait. Ah, affecter 3 gardiens à des patrouilles. J'ai pas fait de patrouille. C'est vrai que je devrais en faire... ça fait 20 000, ok, bon. Intégration et engagement. Donc j'ai pas de buanderie. La cuisine c'est fait, salle de nettoyage. Ok, réhabilitation de l'éducation. Éducation de l'administration c'est fait. Construire une salle de classe c'est fait. Une vingtaine de pupitres c'est fait. Disposer de... Ouais, voilà. Puis après, faut que les prisonniers réussissent leur truc, là. Le bien-être du personnel. Ouais. Alors, ça, je pourrais le faire rapidement. Ça, c'est la merde. Répression sur les drogues. Ah, ça, on peut le lancer. Et il va trouver tout seul. Donc, ça, c'est 15 000 gratuits. Nettoyage d'outils. Faut voir. Investissement sur le long terme. Ah oui, là je me sépare de 5 000 et je touche 16 000, mais quand? Placer de l'argent dans un fonds d'investissement. Attendre les fonds. Alors là je peux pas encore investir. Alors, le bloc de cellules, augmenter la capacité à 50, je suis à combien? Je suis à 72, donc, hop, 30 000, direct. Gagné. Alors, ensuite, il faut que je monte à 100. Et ben, on va pouvoir monter. Bon, j'ai 30 000 et pratiquement 15 000 à faire. On va lancer une petite fouille générale pour accélérer, pour trouver les drogues. Et on va commencer rapidement. Donc, déjà, le bureau, ici, je vais le déplacer. Je vais le déplacer. En brique. Donc il fait 6 par 6. 3, hop. 6 par 6. Voilà, avec une petite porte de personnel. Que j'ai en stock en plus, j'ai même pas besoin de la payer. Ça, et je vais pouvoir également remettre un bloc de cellules d'ici peu. Parce que ma prison est toujours surpeuplée. Et la priorité aussi, ça va être la fameuse morgue. Hein. La morgue, il va me la falloir. La morgue, je vais même la coller limite à la... à l'infirmerie. Donc je vais mettre ça ouais, je vais mettre ça ici et je vais faire du ouais du 15 par 31. Allez, je vais faire cette dimension là. Je vais mettre une petite porte. On va mettre une porte de quoi? On va mettre une porte de prison quand même, parce que ce sont des... Enfin voilà, dans mon idée, moi, ça reste des corps, quoi, je veux dire. Donc, les prisonniers n'ont pas à y avoir accès, mais... Mais bon.
Après, c'est vrai que dans le déploiement, il faut que je note que cette zone est réservée uniquement au personnel. Il va falloir que je fasse ça également, hein. De toute façon. Donc, ça va être la morgue. J'ai dit qu'il faudrait également une chapelle, donc la chapelle, on va la faire là. La chapelle, on va la faire quand même d'une bonne taille. Comme ça. Allez, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Allez. On va même faire un peu plus rapproché. Voilà, on va faire comme ça. Ok, alors on va prendre le truc pour dupliquer. On va dupliquer ici, mais dans les objets, ça va falloir virer, il va falloir le déplacer. Voilà. Alors, je vais juste mettre en x3. C'est vrai que je l'ai pas fait. J'ai récupéré 3 drogues supplémentaires. 5 drogues supplémentaires, donc. Donc, j'ai eu mes 15 000 en plus. Pour les drogues. Et je vais faire les deux investissements. Excusez-moi. Donc, l'investissement à long terme et l'investissement à court terme. Ouais, à long terme et à court terme. Donc il y en a un que je vais avoir dans... Ah oui, 71 heures quand même. Ok. Bon, on va attendre. C'est pas grave. Et en attendant, on va faire les blocs de cellules. On va anticiper les missions. Les missions, hein, bien sûr, pas les missions. Et on... Ouais, et voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai le bureau. Alors, c'est-à-dire que cette pièce-là... Voilà, et on va donc charmure en béton, hein, ouais, on est d'accord. Hop. Là, ici j'ai pas mis d'entrée, mais ce sera une porte, ce sera une porte simple, hein, mais je mets quand même une porte de cellule, mais ce serait une simple porte. Ok, alors on va juste c'est temporairement. À l'aide d'une clôture. Hop. Ça, on va le verrouiller et on va virer ce bâtiment. Une fois que c'est fait, j'attends juste qu'il vire ce qu'il faut. Allez les mecs. Voilà, comme ça il y a une clôture et moi je peux démolir ce truc là. Et on va continuer les murs. Pas de soucis, on va pouvoir continuer. Donc là, les petits sas de sécurité à chaque fois, même pour aller à l'église, hein, pas de soucis. Sauf que j'ai fait une bêtise ici. Non, non, j'ai rien dit, si, si. Il va falloir que je démolisse le mur ici.
que je fasse ici et ici des murs et que je démolisse ce mur. Je vais, ouais, en fait, je vais mettre. Donc ça, c'est une porte ouverte et je vais mettre simplement une porte du personnel ici. Voilà, et ici donc ce sera une morgue. Ici ce sera une morgue et ici une chapelle. Alors je vais déjà disposer les pièces. Comme ça, ce sera fait. Alors la morgue. Et la chapelle. Voilà, comme ça. Et on va mettre déjà en objet les tables de dissection. Alors je prévois, hein. Clairement je prévois au cas où ça dégénérerait. Parce que de toute façon, ça va certainement dégénérer. Bon, les mecs ils se reposent sur les tables de... Ouais, tout va bien. Bon, donc voilà, donc on a les mecs qui sont en train d'être amenés à la morgue pour être stockés avant d'être évacués. Un aspect du bonheur, quoi. Ah oui, j'avais dit que je ferais autre chose par contre. Je vérifie juste l'état. Ah ça va, il peut encore en prendre dans la tronche. J'ai l'impression que ça a été boosté ça. Avant j'ai l'impression qu'on pouvait quand même en mettre moins sur le... sur le schmilblick. J'ai l'impression que j'ai pas des masses d'ouvriers en fait. Alors, ça c'est une chose. Ensuite, donc il va falloir qu'on déverrouille cette prison. Pas qu'on la déverrouille, mais qu'on hop, qu'on raccorde. Hop, déjà je vais mettre en pause. Ici. Ça sera en béton. 3, hop. Et là, on va faire du 13 sur... sur 37, c'est ça. 13 sur 37. Ok. Petite porte de prison. Hop. Je vais zoomer un petit peu et ici on va déjà refaire une cellule, enfin un bâtiment de cellule. Tac, donc ça on annule et ça, ok. Excusez moi ensuite on a les détecteurs de métaux, ça il va me les falloir. Donc il m'en faut un là, il m'en faut, j'ai plus de fond, ok, très bien, hop, voilà. Donc on va laisser courir un petit peu. La fouille, c'est bon, on va arrêter là. Au niveau des repas, ça galère, j'ai l'impression.
Ok. On va peut-être investir, c'est dans la chapelle par contre. Parce que je suis sûr quand même que je peux poser un hôtel, ce genre de choses. Je veux dire un hôtel 500, allez hop, on peut au moins poser l'hôtel. Comme ceci. Et on peut certainement poser deux tapis de prière. Ça coûte combien? Ça coûte 50? Allez, hop. Voilà. Quelques tapis de prière, trois bancs d'église déjà pour commencer, quoi, je veux dire. Non, on n'a plus une thune. Bon, faut qu'on attende. Je regarde le personnel. On a que 7 médecins alors que. D'accord, j'ai deux médecins qui ont dû se faire démonter quelque part. C'est quoi ça? Enfin, suffisant, bah oui, bêtement. J'ai l'avocat également qu'il faudra embaucher, arrive un moment. Donc voilà, donc ça avance, hein, il n'y a pas de souci. Les 100 prisonniers, on les aura d'ici peu, hein, quand on aura le prochain bloc de cellules, ce sera bon. C'est vrai quand même qu'il y a une sacrée quantité de morts. Hein. Bon.